Et même, lui, c'était ancien député 45e législature, mais il était député tout, et 50e, dans 50e législature, ça là, que c'est la dernière législature en date là. Député Baradère, Grand Boucan. Patrick Nauséus, tout, t'es président, commission spéciale, qui tape travail sous projet loi, sous organisation à fonctionnement, conseil électoral permanent et rapport commission spéciale. Ça, nous-mêmes, personnellement, nous t'a remis qu'on est, est-ce que le t'es fini, qui ça que t'es dit là-dedans, pour qui ça pas bien suivi que t'es fait, puisque nous étions quoi, même, j'en paquette l'autre monde d'un pays, il ceci dur comme faire, si l'élection t'es faite à temps, si l'élection t'es réalisée dans l'heure où t'es réalisée, si c'est un jour, nous t'es capable d'éviter vide institutionnel, ça n'a pas vive jodi a, qui est à la base de situation chaotique, ça, pays à connaître. Souligne Patrick Nauséus. Bonjour, député. Député, nous comptons vous recevoir matin. Petit volume. Adiani aussi m'a fait manœuvre technique pour ne pas bien débuter. Bonjour, député. Bonjour, bonjour, Johnny Ferdinand. Bonjour, guerrier Dieu seul. Bonjour, tout l'autre monde qui est dans la radio, auditeur, auditrice Radio Caraïbe et tout le peuple haïtien. Et nous t'entendez-moi? Oui, nous t'entendons, nous t'entendons. Ok. Johnny, au moins que vous faites ou gros lessive, oui, ou passe au savon à l'institution parlementaire matin, hein, pendant presque une heure de temps, nous allons suivre là. Et m'espérer que vous avez un petit temps pour m'envoyer de l'eau pour me rincer les rats là. Parce que ça vaut nage dans l'alliance, puis oui. Bon petit temps, pas pour prendre trop de temps sur l'émission, non, mais bon petit temps pour m'envoyer de l'eau pour me rincer les rats là. Pour me retirer le savon. Pour le bas, je vais commencer par un dernier sorti. Hein, et à savoir, oui, moi, tu es président sous-commission qui t'a travaillé sur création, organisation, fonctionnement, conseil électoral permanent. Effectivement, il y a deux projets de loi qui étaient venus dans le Parlement pour faire élection. Et mon projet de loi qui concerne création, organisation et fonctionnement, conseil électoral permanent. C'est moi qui étais président de la commission, ça, d'ailleurs, rapport qui était prêt. Et j'ai même bah, eu le draft à deuxième secrétaire de chambre, non? J'ai demandé le draft à me débattre le draft. Mais c'est une situation dans le pays à le ça, il y a déjà un long clan, et puis il y a son parlement, il y a tellement gagné des autres, tellement gagné de coups qui ont pris sur le niveau parlement. C'est une difficulté pour nous travailler dans le niveau parlement. C'est si vous différentes commissions, ça a été plus de travail, c'est travail ça dans l'hôtel Oasis, Pétionville. Et c'est là deux commissions, c'est une deuxième commission, c'est une deuxième projet de loi, c'est le projet de loi électoral là. Ça, c'est une deuxième commission qui a travaillé sous lui. C'était le député Léo Gadnan qui a travaillé sous lui. Et au même temps, il a été avancé. Mais la commission permanente est en finie avec le rapport par lui-même. Et c'est pour montrer que, et là, ça, Babdi majorité seulement, non, toutes deux, tout le temps dans la chambre, non, t'es réuni autour de questions. C'est-à-dire que chaque commission, ça a été une majorité, une minorité, et nous travaillons de concert, pas d'aucun problème. Alors c'est pour opposer à l'idée, c'est pour rejeter l'idée que comme si Mdadou, majorité était bloquée, majorité pas de voter, majorité pas de permettre l'élection faite, pas de permettre l'électoral voter, tous députés et majorité et minorité ont tout le travail de commun accord sur le projet de loi. Ma bonne raison. Raison simple. Pas de aucun député à l'époque. Alors ce qui était différent pour le Sénat. Parce que le Sénat n'a pas la même situation avec nous, nous-mêmes, nous devons aller nous-mêmes. Mais le Sénat, il y a au moins deux tiers du Sénat qui étaient espérés de prêter. Il y a une discussion sur la question de est-ce que c'est deux tiers ou bien un tiers qui a prêté. Mais à l'époque, il y a deux tiers dans le Sénat qui étaient espérés de prêter. Ça veut dire qu'il n'y a pas le même problème avec nous. Donc, député, il n'y a pas aucun député qui était venu à l'élection pendant qu'il n'est pas en fonction. Ce qui est normal dans tout pays, généralement, les gens qui sortent, les candidats sortent. Généralement, c'est le monde qui est en fonction, que en France, que aux États-Unis, que la République dominicaine. Généralement, candidat qui a sorti, c'est des mondes qui sont en fonction. Mais en Haïti, nous c'est une rare côté que le peur bleu, ou que l'équipe le candidat, le peur bleu, que l'équipe qui en face, bien sûr, l'équipe en fonction. Et c'est ça que depuis l'élection 88, sous l'amphi, nous ne pouvons jamais gagner aucun parlement, côté parlementaire, pour l'élection, pas de en fonction. Nous ne pouvons jamais gagner ça. Vous comprenez? Nous avons deux grands cas, côté des parlementaires qui en fonction, pour l'élection. C'est K et Garcia Delva,
qui était député Marchand quand l'élection sénateur pour l'Artibonite, Ronnie Célestin qui était député Thomasic, c'est à la source quand l'élection pour sénateur dans le plateau central, qui était une passe sénateur, et puis Abel Lecolline qui était député Mirbalet, qui t'a l'élection et pour le sénateur plateau central et que bon il va passer donc mais là Kassayo remarquez que c'est des monde qui députés qui prennent l'élection pour sénateur comprenez mais au par exemple une carte de 1988 ou pas jamais jouer une carte de député qui t'a l'élection pendant en fonction ça vous que jamais arrivé dans deuxième lundi mois de janvier bon législature qui a sorti bon législature qui a rentré. Non, pas attendez. Ndi, vous voulez expliquer que ça a beaucoup arrivé que en deuxième lundi mois de janvier, gon législature, parlant de député, cap sauti, yon n'a pas rentré. Non, toujours gagne législature. Oui. Ça sort dire effectivement. Ça veut dire pas jamais gon législature qui est en fonction. Mm-hmm. Et puis qu'on y a cap gon l'autre qui cap rentré. Cap rentré. Ouais. Toujours gon temps mort en même temps. À la fin d'une législature, tout le vide avant les élections. Donc, alors, moi, je ne vais pas vérifier cette question. Ça me devrait montrer que député, dans l'automatisme, dans la réflexion, ils ne peuvent pas aller à l'élection pendant qu'ils ne sont pas en fonction. Et c'est ça qui fait que député dans la minorité ou dans la majorité, tout est mobilisé autour de texte électoral. Que ce soit pour formation conseil électoral permanent, que ce soit pour loi électorale. Là. Donc, pas de gain, aucun blocage dans le Parlement. C'est une situation. Alors, dans le Sénat peut-être, parce que moi-même, personnellement, pendant que j'étais président d'une commission spéciale, moi-même, personnellement, j'aurais moi-même des sénateurs qui disent que pas de élection qui a fait avec Jovenel. Et c'est là que j'ai tout fait transition. Hein. C'est que, grande mentalité ici dans Haïti, en pile fois, il y a pour reprocher le président qui va faire élection. Mais en Haïti, en général, classe politique, pas jamais remis à l'élection avec président, pas jamais remis à l'élection avec le président en fonction. Mm-hmm. Classe politique, quand tu mets dans tête, le président a formé le conseil électoral, c'est le conseil électoral, formé, sur l'élection, il va le faire pour lui. Et toujours une réticence au niveau de classe politique, là, pour l'élection avec le président qui est en fonction. Et quand on, par exemple, tu as entendu dans l'interview hier, là, quand on a dit oui, c'est intérim et tout, fait bon élection. Je parlais du président privé, tout à l'heure souligné ça, mon économiste ici qui dit que le président privé fait ça que le gouvernement ne va pas faire. Mais mon bagage pour rendre compte, c'est que justement, mentalité classe politique nous-mêmes, il est plus à l'aise là, que c'est transitionnel, que c'est le gouvernement intérimaire pour l'élection. Parce qu'il y a des sentiments là, ça, que tout le monde l'a donné, il y a des possibilités pour éviter le conseil électoral, il y a des possibilités pour le gouvernement, etc. Donc il y a l'élection. Mais depuis on va dans le gouvernement. Est-ce que c'est un très bon calcul, député? Il va dans le conseil électoral, il va pas dans l'élection. Mm-hmm. Et nous songeons, par exemple, le président Jovenel, voyez, par exemple, le projet de loi sur le conseil électoral permanent. Parce que le président Jovenel dit, ah, nous pas qu'à la question provisoire, ça, depuis 87, nous en provisoire, pour nous passer à conseil électoral permanent. Et nous levons le bouclier qui fait à travers le pays. Qui est le grand qui est dans le gouvernement? Qui est dans le gouvernement pour voir Ariel qui se passe là. Il est dans toute radio qui a dit qu'il n'y a pas d'élection à Jovenel, pas d'élection à Jovenel, élection faite après le Jovenel d'y aller. Et ça a été dit. Loi électorale, c'est même gens. Ils ont non seulement mobilisé dans la rue, mais si vous avez gagné dans le Parlement, il y a fait pression sur eux pour bloquer, pour retarder, etc. etc. Donc c'est comme on a dit, on a vu prendre l'huile, il a dit non monde. Et puis une machine pour diable qui pas connaît c'était gain lui il glisse le pour accident à côté d'une exacte par en balle donc chauffeur sur tête mato il tout monde sont criminel alors que c'est lui même qui l'a gain lui dans bon là en pile pour la société et classe politique là responsable que l'élection va faire content les présidents a lancé le conseil électoral tout en arrière du pour parler l'élection président ça. Mm-hmm. Et puis demain matin c'est eux qui va accuser président va faire élection et ça quand même un exemple de qui l'a gain lui là que ou grand chantier pour bail dans 3 mois, ou bon nèg qui passe sur chantier, il y a manifesté, il y a fait des ordres, Il empêche ni maçon ni ingénieur, tout le monde travaille, et puis demain matin, il va aller reprocher ingénieur, parce qu'il met travail là. C'est ça qui passe en Haïti. Nous parlons à l'élection avec les gens qui sont au pouvoir. Et ce n'est pas seulement la question élection, on prend la question constitution. Il y a tout le monde qui a goûté comme président Jovenel, il doit changer la constitution. Mais je dis que c'est un intérimat, nous avons fait la constitution. Et nous avons dit très clairement. Il a fait référendum tout.
Bon, il y a un ballon d'autre, non? Il n'y a pas de constitution avec Jovenel, il n'y a pas de constitution avec le président Jovenel, mais il y a fait constitution après le président Jovenel. Problème institutionnalisation. On nous prend le conseil constitutionnel. Pourquoi ça ne va jamais le conseil constitutionnel? Parce que, bon, des gens dans la classe politique là, qui mettent en tête, il y a un organe aussi important comme ça qui va le bagage sur constitutionnalité des lois, constitutionnalité des règlements, attaque administrative, pouvoir exécutif là. Et qui va gagner 9 ans, il n'y a pas qu'à bailler au président pour voir elle, puis au même président pour le quinté bailler ça pour lui. C'est même genre pour le conseil électoral permanent. Mais quand on est en tête, que 9 ans, que on va le conseil électoral permanent, président pour pouvoir pour le quinté bailler ça pour le gagner l'élection, pour le quinté pouvoir pour lui pendant 10 ans. On même 50 ans. Et tellement nous coquins tout, UDP, on n'a pas fait l'autre confiance. Non, mais, et de l'autre côté, il y a une velléité à vous, nous devons un petit peu de pouvoir autour, chaque monde a baissé. C'est ça, c'est ça, de toucher avec la souris. Parce que, comme si chaque monde a veillé l'autre, une méfiance. De côté, il y a un reproche que le président en fonction. Et il fait un rapide qui est le bouli. Mais en même temps, même tout, c'est le plus important. Donc, en plus, institutionnalisation, à part de cour de cassation, avec caution des comptes, généralement, parce que c'est le Sénat qui décide les mondiaux, qui passe facilement, généralement. Après ça, tout le monde ne va pas d'accord, non? Il n'est pas d'accord ni constitution faite sous président qui est en fonction, il n'est pas d'accord ni conseil électoral fait sous président en fonction, il n'est pas d'accord ni conseil constitutionnel fait sous président en fonction, il n'est pas d'accord rien, j'ai d'accord, je veux dire. C'est ça que moi-même, on a pensé. Bon, c'est bon, puisque mentalité a assez consolidée, quel que soit le président qui monte, par exemple, nous avons l'élection là, 7 février 2026, par le nouveau président de la République. Moi, je me garantis que le président de la République, ça, si il y a des bagages, nous ne pouvons pas profiter de mettre en place conseil électoral permanent, constitution, ça que je dis, nous ne pouvons pas le faire. Si nous ne pouvons pas mettre conseil constitutionnel, nous sommes sûrs que le président va venir, il a fait 5 ans. La tour qui est de bâton en haut pour mettre des décisions. Ça n'arrive pas à faire 5 ans. La politique en Haïti parle. Non. La politique en Haïti parle de l'institutionnalisation. Député, ça n'arrive pas à faire 5 ans. Parce qu'il y a bien à lever des. Parce que son pays est fini crasé. Alors que vous pouvez lever, il faut que le pays a été reconstruit dans 1 an, dans 2 ans. Là, vous avez un jeune groupe monde qui campait en face. Alors, l'homme t'a des questions. Moi, j'ai la directive au côté. Non, mais l'homme t'a des questions. Non, c'est pour m'appuyer l'idée. Là, moi, je dis que. Où dit que le cas fait 5 ans? Alors, t'en es dans le téléphone, non? Pas t'en dans la radio. Non, t'en es bien. Okay. Moi, je dis que ça qui arrive qu'il va même faire 5 ans. Parce que depuis le monté là, on va aller dans un groupe qui campe en face, qui dit faut l'aller. Bon, alors, problème pour l'aller, hein? Ce problème pour le résoudre, c'est peut-être là, bon, là, on t'a parlé de barrage, mon fonction, le président fonction, le problème a parlé de dialogue national, conférence nationale, etc. Ou, par exemple, le président Aristide Tétouné, il était fait une tentative de dialogue national. Son, il en parlait, moi-même, quand le président d'aller, etc. Et bien, ça passe, c'est presque entre partis en la valasse. Tout le monde qui était en barrage était presque bouté, dialogue national qui était fait en parler. Là. Et le président Jovenel est pour tentative de état généraux de la nation. Là encore, il boudait par l'opposition. Bon, maintenant qu'on y a vu la question de conférence nationale, que dans le cas d'accord, là, on prévoit une conférence nationale. Vous remarquez bien que la conférence nationale, ça, ce n'est pas au président élu, ce n'est pas au président en fonction d'appel. C'est intérimat. C'est qu'en Haïti, c'est que nous qui respectons l'intérimat que le monde qui demande à populaire. Et comment nous y en Haïti? On parle d'autres. Président qui demande à populaire, il n'y a pas d'autorité pour faire des bagailles. Mais le monde qui n'a pas de mandat, le monde qui n'a pas de mandat populaire, qui n'a pas élu dans l'élection, c'est eux-mêmes nous avons tout droit pour faire dans le pays. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le président d'État général de la nation a été boycotté par le président Jovenel. Et qu'il y a un intérimat, nous avons une conférence nationale. C'est comme si nous avons c'est un intérimat qui est l'égalité, c'est une autorité morale, politique, qui fait tout le bagaille. Contrairement à monde que le peuple a élu, que le peuple a un mandat. Vous comprenez? Donc, ok, nous allons faire une conférence nationale. Nous avons souhaité que la conférence nationale, il y a des bagailles dans le cas d'accord que nous parlons de la conférence nationale. Cette affaire est guerrière, on parle de vous y aller. On est d'accord que nous bannissons la question pour l'État. Que nous bannissons la question pour l'État dans le pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas dans l'élection, vous dans l'élection, pas de passé. Et vous chutez à la carrière dans le salon, attendre que vous voyez un bon président, sans mandat peuple, sans élection peuple. Nous bannissons.
Si même je me songe, entre 91 et 94, combat qu'a nous de Conti, coup d'État pas, respect de l'ordre constitutionnel, coup d'État pas, et ça, c'est ça qui va nous dire dans le problème accusé de nous. Ma business était là, qui peut-être dans la période, ça t'a défendu, ça va même coup d'État pas, respect de l'ordre constitutionnel, et puis après, ça me trouve une coalition qui a pris des présidents, qui a pris des présidents, je vais aller. Donc ça, c'est pas, j'aime d'accord avec eux, parce que moi, fait 3 ans pour l'ambassade deux fois, pour l'exil une fois, avec principe coup d'État pas, respect de l'ordre constitutionnel, pas qu'à venir d'accord en 2017. C'est nous-mêmes ça, qui t'a goûté beaucoup de temps. Que prend l'ambassade, militaire, 30 militaires passés la caille, ils mettent me coucher, ils ont mis la caille, pendant le coup d'État 91 ans, parce que nous avons combattu, comme dit, coup d'État par respect de l'ordre constitutionnel, et bien en 2017, pour venir accepter qu'il y a même nous-mêmes, qui associé avec même ancien ennemi, ancien adversaire, nous, qu'on a pris le président que le peuple a élu pour l'aller. Alors c'est pour me dire que, pour nous bannir qui sont coup d'État, leur président élu Paul Mandal, et au pari, il doit 1 an, 2 ans après le président venir lui, pour prendre l'aller parce que le peuple fait ceci, parce que le peuple fait cela, parce que le problème du peuple a pour résoudre. Le peuple a voté libre à lui, il a 5 ans. Il y a 5 ans pour prouver ça le café. Tout autant 5 ans pour qu'on finisse, ou pas qu'à prendre le bilan, il m'a dit le café ceci. Et si nous sommes en 4e année, l'affaire agriculture a marché. Et si nous sommes en 4e année, l'affaire croissance, la promesse est au niveau de croissance économique, ou pas capable le président ait 1 an et demi, le président est installé en février 2017. En juillet 2018, tout le monde a doute que devant Mariotte, pour faire manifestation, pas de couler aller, parce qu'il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. Donc, il faut que nous, dans la conférence nationale, dans notre pays, nous respections le principe du mandat. Moi, je ne me rends pas compte que, le président, si le président révèle le fou, si le président dans le mandat, il est fou, ou bien il faut une maladie grave qui fait le perdre du consensus, il ne va pas diriger, ou bien si naturellement, il a mort, il a mort, la mort naturelle, etc., il a mort, etc., ou bien il est fort du casse majeur. Institution que la Constitution prévoit, il doit jouer au mécanisme, il doit avoir une foule, il doit avoir une barre, etc., ou il doit faire des violations graves de la Constitution. Donc, la Constitution doit prévoir les propres mécanismes pour mettre la paix. Mais ce n'est pas 2-3 années comme si nous avons dit que quand l'élection ne va pas passer, ou bien il n'y a pas même voté dans l'élection, il n'y a pas de même voté dans l'élection. Et puis, il comprend qu'il y a un droit parce que le ceci, parce que le secteur privé, parce que le secteur intellectuel, parce que ceci, parce que vous faites partie des plus capables du pays. De ne pas mépriser le grand nombre, c'est-à-dire la masse des Haïtiens, que eux-mêmes, ils font partie de l'élite les plus capables, ils pensent qu'ils ont des droits, qu'ils sont dans un hôtel, qu'ils sont dans un autre côté, ils remplacent au président, que le peuple, non suffrage universel, direct, une élu. C'est ça, même pas, c'est dans la conférence interne, dans la conférence nationale, pour nous bannir. Les gens qui ont fait coup d'État, non seulement ils doivent être punis pénalement, mais ils doivent être bannis de la politique haïtienne. Nous n'avons pas de gens qui sont candidats, nous n'avons pas de gens qui sont rien dans le pays. Seules les institutions prévues par la Constitution qui doivent destituer le président. Et dans des conditions que logiques, que tout le monde est rendu compte qu'on cas de post-major, cas grave qui fait destituer le président. Mais après, les nègres viennent faire pile, ils n'en arrivent, les pas, les pas, aller, etc. Parfois, ils manipulent, parfois, ils conseillent de contrebandiers ou c'est de mafias dans le pays qui besoin de faire contrebande, qui besoin de franchise, qui besoin de ceci, qui besoin de gavotte. Parfois, c'est même mafia ça qui a financé, qui besoin de contrat courant. Les qui besoin contrat route à 1 500 000 $. Contrat route à 1 500 000 $. Parfois, c'est même mafia qui a financé, même dans la place politique. Et puis, qui a mis dans la rue, qui a financé parfois même radio. Même la presse qui a financé, qui a mis dans la rue où j'étais président, que le peuple est le mandat. Excusez-moi, il y en a pour me finir. Il y en a bagaille moi-même dans la presse nationale, table, et que je viens consacrer dans la Constitution. C'est question de coup d'État pour le bannir dans le pays. Et on a souhaité que c'est la dernière fois que nous avons un premier ministre. Que dorénavant, même gens ont fait dans 21 autres pays dans l'Ohio, que nous avons un président et vice-président. Que leur président a un problème, vice-président que le peuple a été voté ensemble avec là, que c'est lui-même qui doit se remplacer. C'est pour ça que nous avons un autre pays. Après, nous avons un premier ministre, ou pas aller devant le peuple, ou pas prendre mandat devant le peuple, ou pas prendre engagement aucun peuple, et pour paraître là comme premier ministre, tant qu'on manie tout, parfois aussi au contre-pouvoir à un monde que le peuple finit lui. Et puis, aux autorités, aux auto-remontés, comme si Mnadou, alors que pas même voter, même, ou pas d'engagement. Et ça, depuis mal là, ouais, pour venir ça, après gros collègues comme ça, certaines fois, il va même venir faire mandat président. Non, parfois, avant mandat président, fini, il parle dans l'opposition comme président. Donc, avec une question de premier ministre, nous avons souhaité que c'est dernier premier ministre nous avons là, dans l'intérim, nous avons souhaité que c'est dernier premier ministre que nous gagnons. Que dorénavant, que deux mouns à l'élection,
du président ou vice-président, et que si grand problème que le président va là, que le vice-président remplace, là, ça a un principe mandat à respecter. Parce que les deux mouns à l'élection, qu'on mandat, ils peuvent parler, même si le premier n'a pas là encore, mais le mandat populaire, le mandat du peuple a toujours un mandat à respecter. Jusqu'à son expiration. Député, nous avons le fini. Mais, bon, me dire ça, député. Moi, t'es reporter, j'étais toujours dans la radio-télévision Caraïbe, même pas de co, dans l'espace pour l'occasion. Johnny, me détendait bien, il est bien d'arriver à la radio. On va essayer de téléphoner parce qu'on est nous dans le studio, nous, c'est avec les moyens du bord, on a servi. Est-ce qu'on entend de nous là? Eh bien, ok, député. Nous avons expliqué que nous sommes jeunes reporters, nous avons travaillé sur un ensemble de dossiers politiques, nous avons parlé avec une série d'acteurs. Dans le pays. Gagne un proche collaborateur, Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse. L'été gagne parlement, nous avons essayé de poser la question, nous dit, pour qui ça jusqu'à présent, malgré chaque fois que nous avons commencé, le président prend la parole dans le cadre du 1er janvier, il dit, année ça son année électorale, pendant plusieurs fois il fait, et puis pas jamais gagne l'élection. Dans la réponse de moi, député Noséus, il fait quoi que Jovenel Moïse et persiste quoi dur comme fer que élément de blocage à ce parlement. C'est comme vous dire que ces députés, sénateurs, s'il poko qu'a fait élection, qui responsable non sens maintenant l'autre. Il a évoqué question projet loi et qui était gain pour la création conseil là et qui était capable bail budget pour élection faite etc. Il a dit plusieurs autres bagarre encore. Pour l'histoire et pour la vérité. Comme ancien président de la commission spéciale qui travaille sur le projet loi, sur le document, ça. Qui côté élément blocage là t'es sorti? Pour ça, il y a mon entourage président qui te croit, c'est Parlement, alors que Parlement, notamment la Chambre des députés, dit, t'es gué volonté, si bien que tu présenté rapport commission, ou bien rapport commission est prêt, mais ça va empêcher l'élection pas faite, pas réalisée. L'IFE 8 heures, nous prenons le proposé rapport, moi qui t'aurai avec ça, là nous retournons. Ou avoir dit la République 1, 2, 3, 4 pour l'histoire et pour la vérité, qui ça qui t'a empêché Jovenel Moïse vers l'élection alors que l'été gagné majorité dans deux chambres. Gala vous tout le monde n'a tourné. À l'époque, il y avait des outils légaux pour organiser l'élection. Malheureusement, pour une raison ou bien pour l'autre, élection parfaite. Et nous par contre qui s'est passé avec rapport commission ça et M. Noséus pour dire la vérité c'était pratiquement la dernière question de poser avant même nous te prend pose drapeau à M. Noséus. Oui, projet loi c'était sous conseil électoral permanent et pas provisoire. Création organisation fonctionnement conseil électoral permanent parce que le président Jovenel a dit que faut qu'on finisse avec conseil provisoire ça depuis 1987 là. Pour qu'en fin de compte, nous dépassions à le conseil électoral permanent. Donc, comme vous avez dit, nous commençons ma émission, et la pomme de guette en prêt, c'est la commission de travail, d'emblée, la pomme de guette en prêt, et que, bon, il y a des gens qui passent dans la loi, qui ont tout témoin, parce que il y a des gens qui ont coûté des gens, lui. C'était un homme que la chambre n'a été payé comme consultant dans le cadre de travail commission. Donc, Mettre Mosley, Georges, Mettre Mosley, Jean, lui, plusieurs autres. Ah, c'est des gens qui ont témoigné, Tinami, Chaleur, parce que tout le monde est dans l'Oasis là avec nous. Et ouais, Mordenon, connu Mettre Mosley, Georges, ancien directeur exécutif du conseil électoral, Mettre Mosley, Jean, lui, avocat, dans ce moment, tu as parlé avant là, tout le monde, c'est des consultants que la Chambre a payé pour justement venir accompagner la commission dans le cadre de travail. Et nous avons témoigné de. Chaleur de dynamisme que les députés ont gagné, parce que c'est tout tendance confondue. Qui c'est majorité, qui c'est minorité. Pas de blocage du tout. Blocage, non, il n'y avait pas de blocage. C'est sûr que, c'est sûr que, classe politique, là, généralement, en pile fois, leur pas une capacité, tout ça le fait dans la rue, peut-être, il n'est pas capable de jeter le président Jovenel, et c'est pas seulement pendant la période du président Jovenel, là, c'est de tout temps, classe politique a toujours une tendance à utiliser branche de le Parlement, pour que justement il continue le travail de déstabilisation, le travail d'opposition à pouvoir qui est en place. Mais femmes donc dans la Chambre des députés, hein, et tendance, en Chambre des députés avant, tendance pour l'organisation des élections avant la fin du mandat et de 50e statut,
dans la santé générale. Tout député ont été que avant 5 ans. Parce que bon député qui vous dit que, qui compte dire que, ah, monsieur, bon, je suis dans la réacte, nous allons faire l'élection avec la réacte. On nous dégage, nous, avant mandat fini pour l'élection, en fait, pendant nous secours, pendant nous. C'était blague, ça, avec la paille. C'est pour vous dire que l'état d'esprit général, là, c'était pour l'organisation des élections avant la fin du mandat. Mais, et dans la rue, hein, quand on dit, que ce soit dans l'opposition, l'opposition n'a pas spécifié non là d'ailleurs, dans la santé générale, il n'y a pas fait l'élection avec le président Jovenel Moïse, que l'élection pour eux, c'est après, il a organisé l'élection après, il va faire transition 3 ans, transition 36 mois, il va faire transition 36 mois, et puis eux-mêmes, il a organisé conférence nationale, il a organisé l'élection, il a remis la constitution. Nous tous les discours. Second discours. Oui, donc c'est le bon naturel, la classe politique, il y a des représentants de Parlement. Mais il faut que la tendance est beaucoup plus forte dans le Sénat. Parce que le Sénat n'a pas de même intérêt avec la Chambre des députés. Je veux dire que même si dans la réalité après, c'est pas lui qui a dans le Sénat pour l'intérêt, mais à l'époque, le sénateur pensait que c'est 2/3 qui a prêté. Donc il y a eu plus ou moins sérénité eux-mêmes, il n'y a pas vraiment senti concerné par problème. Bagage électoral là, mais le cas était tout autrement pour la Chambre des députés. Alors ça me avait dit moi-même, on a parlé du blocage. Pas ça, nous héritons de toute histoire, non. En réalité, depuis le premier Sénat 1807, là, sous pétion, quand j'aime gagner, ça a eu la sympathie de la société pour le Parlement. Et moi, je prends engagement pour me dire, quand j'aime une sympathie collective pour l'institution parlementaire, jusqu'à présent, que au début de ce conscience collective là, pour que j'en m'en compte de valeur de parlementaire dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'état de droit. Vous comprenez? Elle dit que nous avons dit tout le désamour de la population pour les parlementaires. Ça conduit que pour joindre une législature, un sénateur, un député, et puis ça dépend du contexte. Tout. Si nous avons battu avec mon gouvernement, il y a des trois mondes qui remettent le sénateur et député, ça a passé avec le rouge. Et ça a passé avec Félegère, Alexandre Le Rouge, et plusieurs autres députés qui ont une sympathie pour l'Ukraine députée. Mais institution parlementaire, là, perception collective, là, c'est quand vous êtes organe de blocage. Dire. En Haïti, nous plus exécutifs. Pour nous-mêmes, c'est ça que même la campagne électorale a fait. Est-ce que j'aime des partis politiques, j'aime insister sur vision, sur projet législatif. Il n'y a pas l'eau de agriculture, il n'y a pas l'eau de route, il n'y a pas l'eau de courant, il n'y a pas l'eau de tout ça, pas l'eau. Ou j'aime dans des partis politiques, j'aime dans une vision de la justice. Ou j'aime dans des partis politiques, la campagne électorale, j'aime mettre comme si nous avons de projet, une vision législative. Alors que dans le cadre de l'état de droit, justement, pour trois pouvoirs ça existait, c'est-à-dire c'est exécutif à agir, mais voilà, c'est une base de loi que le Parlement a fait, et puis pour la justice même juger, que le sanction contre nous qui violent les lois. Mais société, le Parlement a fonctionné. Où j'aime sentir un terrain, comme si, où songe moi-même, ma travaille sous près de 8 projets de loi qui tenaient un rapport à l'amélioration du climat des affaires. Et ce bagage, puis en 2014, sous Martelly, gros réunion, gros dépenses, l'État fait gros dépenses, etc., secteur privé, tout secteur réuni, puis on mettait des documents à l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires. Mais je travaille sur 8 là-dedans. Moi, prépare personnellement le rapport. Magas sous bas usage professionnel, sous droit de sûreté, droit des sociétés, statut commerçant, régime matrimonial, etc. Nous travaillons sur 8 dans le projet de loi. Moi, dormi à parfois 4 ou 5. Bon, je ne vais pas même dormir même pour me préparer des rapports de commission. Moi-même, encore aller dans la chambre, me soutenir rapport ça, faire loi ça voter. Et pendant ce temps, pas que aucun secteur privé, pas aucun monde qui n'a jamais intéressé dans la voter loi ça. Alors que le pays, le secteur qui concerne nous. Des fois, il y a le lobbying, il y a le monde dans le Parlement, dans le Congrès, à regarder ceci. Oui. Comme si la société a un désintérêt de le manifester pour ça qu'a fait dans le Parlement. Tout le monde a voté. Bon, là, ça a voté dans la Chambre, mais on va voter même. Si vous voulez que le Sénat, la Chambre, nous voté, le Sénat n'a pas voté, même malheureusement. Bon, le Sénat a voté toi là-dedans, il a voté au FNAC et Code maritime avec loi organique Semana, qui était dans 8. Texte du qui me prépare rapport pour vous soutenir et voter. Donc, trois grandes lois sont sorties dans le moniteur parce que le Sénat a voté tout. Mais c'est que l'autre, le Sénat n'a jamais voté. Qui fait que le Sénat a sorti dans le moniteur? C'est le président Jovenel, lui qui parle publié par décret. Et vous avez critiqué le président Jovenel publié par décret. Mais c'est des textes que nous avons voté dans la chambre déjà.
Et là, je regarde le texte décret. Moi, apparemment, c'est presque le même texte qui a été voté. C'était presque le même texte qui a été voté dans la chambre. Vous comprenez? Mais pendant tout ce temps, la société n'a pas jamais eu aucun intérêt. Nous votons loi sous validation et reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. C'est un gros tonton loi. Vous voyez, pendant tout le pays, pour faire validation et reconnaissance des acquis d'expérience professionnelle. Quand on est au monde, on peut contrôler là, on nous bon même sous parlant université, on a un domaine professionnel, on prend là-dedans, on a 20-30 ans d'expérience là-dedans, on prend là-dedans, on a un mécanisme pour valider, reconnaître à qui expérience. Mais quelle cause ça fait dans la société? Est-ce que le secteur éducation, le secteur bagage, est-ce que j'ai montré aucun intérêt pour le ça? La société a un désintérêt pour les affaires législatives. Et tout autant nous va développer une nouvelle culture qui reconnaît valeur pouvoir, trois pouvoirs, dans le cadre de l'État du droit, dans le cadre de l'État démocratique, nous faites commencer, nous faites commencer par les soucis. Comment imaginer un collectif parlementaire, pour me finir, vous voyez, comment on va pas parler des belles garçons, bon, pas qu'on chante bien, bon, l'île dit au lieu de chanter, pas parler des belles garçons, et l'étancourou, les habillés tous de noir, tous de blanc, les tacos députés, les habillés tous de noir, les tacos sénateurs. Alors quand on parle pour le coup, il dit, ah, belle gars, sont belle bagaille. Non, on nous habite au papa de Dia, papa de des autres qui dit bêtises, les gars bêtisés qui dit bêtises. Ça veut dire que perception collective, hein, c'est que parlementaires sont bêtisés. C'est ça que dans la langue française, papa, quand on parle, alors parle, et on mettait pâle et puis menteur. Et quand on dit que c'est parlementaire, il est pâle menteur. C'est-à-dire qu'il est considéré, imaginez un vocabulaire, il est en train de parlementaire, son bêtiseur, son papa guédé, sa petite bêtise. Mais comment il est parlementaire là? Donc, qui fait que nous, c'est-à-dire que nous pas gagné, ça a eu conscience de valeur, conscience de valeur, chaque pouvoir, dans le cadre de l'État de droit, dans le cadre de l'État démocratique. Et c'est culture ça, c'est nouvelle culture ça pour nous développer. Parce que moi-même, je ne suis pas jamais parlementaire encore. Je ne suis pas jamais, ma déclaration solennellement, je ne quitte la question parlementaire, je ne suis pas jamais parlementaire encore. Je ne suis pas jamais candidat, ni pour Sénat, ni pour député encore. Cependant, toute vie, je suis toujours reconnaître la valeur du Parlement dans le cadre de la société démocratique, dans le cadre de l'État de droit. Et je suis toujours prêt pour défendre la valeur du Parlement dans le cadre de l'État de droit. Quel que soit le côté lié, quel que soit la fonction que j'avais exercée, m'a toujours été prêt pour défendre valeur. Parce que nous, pas nous sommes le seul pays, nous avons passé 4 ans sans parlement. Parce que vous remarquez bien que depuis janvier 2020, nous parlons de parlement. Janvier 2024, ça fait 4 ans. Ça veut dire, c'est tant mieux les statuts. Le statut, c'est 4 ans que lié. Or, janvier 2024, ça fait 4 ans sans parlement. Nous sommes un rare pays qui a fonctionné, qui dit qu'il n'y a pas l'état de droit, qui a parlé de démocratie, nous avons fonctionné sans parlement pendant 4 ans. Comment ça veut dire? Ouais, j'ai le pays à eux, puis on a l'autre là République bananière. République bananière. De vos pays comme Simnadio, on va fonctionner avec des gouvernements sans contrôle, sans contrôle parlementaire. Ça existe sans parlement, ou pas gagner l'autre, non, c'est une République bananière. Ça veut dire que moi-même, quelle que soit la conception de tel ou type de parlement, tel ou type de législatif qui est passé, ou mon doit parler un 50e législatif, tout comme nous avons l'autre législatif pour parler un. Mais l'institution parlementaire, au contraire, les gens qui parlent, mais yo, c'est plus sorti dans le confort familial. Suspendre chute à la caille, des livres, appelés livres. Parce que, bah, alors, les blancs vont vous lire, parce qu'il faut que vous meublez l'esprit. Yo. Mais c'est plus chute à la caille, dans le confort familial, yo, comme ça, abjurer une petite vie familiale. Yo. Et puis, vous mettez une boîte dans le pied, digne sous vous, puis devant le peuple, à chercher mandat. Sous qu'on a une valeur intellectuelle, ou qu'on a un bon, ou qu'on a un cassé vivé, ou qu'on a honnête. Quittez confort familial, mettez votre nom bio, allez devant le peuple, allez prendre le mandat, le savoir pour le Parlement. Mais lorsque vous avez chute à la caille, comme si Mnadou, vous n'avez pas pris un risque. Vous n'avez pas pris devant le peuple, vous trop propre pour aller devant le peuple. Vous devant le peuple. Vous n'avez pas pouvoir dans l'hôtel, vous n'avez pas pouvoir dans l'élection, vous êtes trop grand, vous êtes trop noble pour aller devant le paysan, pour aller devant le peuple, pour aller prendre le mandat. Vous comprenez? Donc, si vous avez recommandé, si nous pensons nous honnêtes, nous former, nous avons des valeurs, c'est pour nous quitter le confort familial, pour aller devant le peuple, dans le suffrage universel, pour aller prendre mandat. Là, c'est un bon parlement. Un bon parlement qui n'a pas gagné ancien dealer drogue, un bon parlement qui n'a pas gagné ancien voler machine, un bon parlement qui n'a pas gagné ancien monde qui a fait deal, qui a fait contrebande,
qu'a bon parlement propre, qu'a bon parlement, j'en ouvre là. Mais pour faire ça, pour nous suspendre, chita dans le confort familial. Et on courage pour nous gagner, parce que monsieur, je me fais une heure et demie de discussion avec l'ancien sénateur sur question ça. Bon courage pour nous gagner. On nous mette des critères pour les gens qui parlent dans le parlement. On nous mette des critères, mes amis. Et c'est 119 personnes sur 13 millions de personnes qui parlent représenter des institutions parlementaires. Le travail au parlement n'est pas facile. Si on nomme ingénieur ou bien un déclassé médecin, il y a des santé publique, peut-être il y a des droits de ministre et ministre de la santé publique. Mais le parlementaire, c'est toute question. C'est surtout politique publique qu'on réfléchit. Ou à réfléchir sur santé, ou à réfléchir sur agriculture, ou à réfléchir sur éducation, ou à réfléchir sur sécurité, ou à réfléchir sur croissance, sur développement durable, ou à réfléchir sur politique monétaire, c'est-à-dire politique monétaire, ou à réfléchir sur budget, sur bonne histoire, c'est-à-dire qu'on polyvalence pour gagner, qu'on a des prérequis pour gagner, qu'on a des méthodologies comme si on avait un esprit de méthode pour gagner, ou qu'on n'a pas spécialiste dans tout le bagage. Mais au moins, il y a un esprit de méthode qui permet d'appréhender, saisir tout le bagage et réfléchir. Donc, on ne peut pas choisir n'importe qui comme parlementaire. On ne peut pas choisir n'importe qui comme parlementaire. Et pas parce que mon nom populaire, parce que mon nom, comme si Mnado, dans zone, tout le monde connaît, c'est comme l'a dit, ce n'est qui s'en va, ce n'est comme si Mnado, l'homme populaire, et puis n'importe qui nous mettait dans le parlement. Ça, c'est au minimum. Et ceci, ce n'est pas seulement parti politique responsable. Parce que parti politique, le dit qu'un mauvais député, qu'un mauvais sénateur, mais qui est-ce qui choisit comme candidat, c'est parti politique. L'ordre de besoin d'une élection, il besoin d'un pouvoir pour faire politique, pour qu'après un gouvernement, de choisir n'importe qui dans cette circonscription. Même si on n'est pas instruit, même si on est ancien vagabond, même si on est contrebandier, parti politique qui a tendance à choisir les gens qui sont populaires pour qu'il y ait plus de lutte. Donc, parti politique prend responsabilité avant de choisir des candidats, il y a des critères minimales. C'est-à-dire que pour le moment, au niveau académique, on doit exiger, parce que nous n'avons pas exiger, nous n'avons pas exiger le président ou le membre du bureau électoral départemental. Nous, grands formateurs électoraux, nous exigeons pour une licence, dans l'école supérieure reconnue. Nous sommes président Bête, nous sommes membres du bureau électoral de Batontal. Nous sommes grands formateurs, nous exigeons que pour une licence, et une université reconnue. Et puis, il y a Mounsa qui peut réfléchir sur toute politique publique, qui peut réfléchir sur toute grosse question dans la société, hein, sur le problème de relations internationales. Ça dit Mounsa. Comme si Mnadou, nous ne pouvons pas mettre aucun critère. Ou nous avons conseil des comptes, nous mettons des critères. Ou nous avons le conseil constitutionnel, nous mettons des critères. Ou nous mettons des critères pour tout côté. Mais nous ne pouvons pas dire que tout le monde, qui a le président, qui a le sénateur, qui a le député, et puis nous ne pouvons pas mettre aucun critère académique, et puis demain matin, nous avons reproché que le président n'est pas bon, le député n'est pas bon, le sénateur n'est pas bon. Ça dit nous avons une responsabilité. Tout. C'est ça que je pense que le monde qui a le constitution, qui a le travail sur la constitution, ça là, pas de responsabilité, oh. C'est pas question de comme l'a dit, de clectisme, de bagarre. C'est pas question de ça. Mais bon minimum, parce que parlementaire, nous, il faut qu'on fait interface avec parlementaire étranger. C'est-à-dire que des questions, lorsqu'on recevra une délégation de députés français, etc., et que ouais, nègre, lui même, c'est professeur universitaire, il y a un français, il y a un avocat, etc., pas qu'on fait interface dans la bagarre internationale. Dans la réunion, parlement international, pas qu'on fait interface. C'est-à-dire que bon minimum, bon minimum de critères pour que vous exigez de monde qui parle dans une institution aussi difficile que le Parlement. On travaille sur le budget, on travaille sur des questions assez très délicates. Donc ça veut dire qu'on bon minimum, c'est pas une question de démocratie ou question de populisme, de démocratie, non. Bon critère minimal pour vous exiger. Parce que l'on monde, tout le monde est une société, féonia est une société. Machin qui fait manger bien, qui va pas tout réaliser la société. Tout le monde a utilisé la société dans le domaine pâle. Mais tout le monde va faire tout le bagaille. Tout le monde va faire tout le bagaille dans la démocratie. On va dire pour tout le monde faire tout le bagaille. L'homme veut exercer la fonction publique. L'homme veut exercer rendre l'État service à ce niveau-là. Au minimum, quand même, bah, pour te faire. Au minimum de temps pour te franchir. On prend avant comme si Mnadou. Parce que dans tout pays, voisins nous là, ce côté nous là, nous, que ce soit dans la présidence, que ce soit dans le Sénat, dans le député, leur a fait une recherche où tout le monde est des gens en plus là-dedans et des profils académiques. Voisons-nous là, ce côté-nous là. Nous faut que nous fassions effort. Nous ne pouvons pas comme si nous avons depuis les gars, c'est qu'on chante veille, depuis les gars, c'est qu'on a dernier jour, depuis les gars, c'est qui populaire, c'est des gros batailles coq,
ou bien Ougonais qui a tout désafi, que le populaire, puis qu'on y a pour mettre le sénateur avec député. Il y a possible. Donc, classe politique, là, et société, une mission, un devoir, une responsabilité. Alors, Johnny, celle-là, oui, comme c'est responsabilité à la collective, là. On conclut, moi, je finis. Merci, député Patrick Lozéus. Probablement, nous avons passé presque tout le temps là. Il y a, pour nous quand même analyser. Oui, député. Je ne suis pas candidat pour le moment. Moi, il y a normal pour que les gens, comme si nous avons dit qu'on tendance, que nous devons faire passer la société civile, quand c'est eux-mêmes qui sont plus bons, comme s'il y a prestigé l'État, etc. L'État, c'est de monde qui tient le livre ouvert. Lorsque entre dans l'État, tout le monde. Bon, je veux dire, là, nous avons parlé de monde FNU. Mais il y a parlé de monde FNU. Parce que justement, il y a l'État, oui. Moi, je veux dire, il y a des ONG, qui est plus grave qui passe là-dedans. On va comprendre la passe dans FNU, parce que la FNU est une institution publique. Mais il y a un pile ONG, de le bagage plus grave, de corps plus grave, qui a dépensé là-dedans. Donc, nous avons caché l'école dans la société civile, ou par contre, ça l'a réglé, ou par contre, ça l'a fait. Il y a un caméra qui braque sur lui. Et puis, il parle en gros papa tout d'un coup, tout le monde étalé, comme si nous avions une équipe qui était pour protéger le pays. Ça, pour la société civile, là, qu'on comprend. Et puis, vous avez là, comme si, non, question d'équilibre, ou pas qu'à juger parti. On ne peut pas juger parti. C'est vous-même qui pouvez réveiller l'État. C'est vous-même qui pouvez réveiller les acteurs publics pour dénoncer s'il le faut. C'est ça, c'est la société. Pourquoi il y a vous-même vous voulez pour acteurs, vous voulez par exemple dans le gouvernement, vous voulez pour dans ceci, ou à la fois société civile et l'État. Il va possible. On va la société civile et l'État, on ne peut pas juger parti. Société civile, là, faut mettre quoi aux gens qui courent avec observateurs, parce que dans tout pays, que ça en République Dominicaine, on va gagner en justice tout, comme juge, comme ouvre les politiques. Oui, bon, bah, ça, bon, soit l'entrée là, on va faire un petit genre, on va faire des mecs de cassation. Non, ancienne politique de double droit. Les nègres mettent notre coup de cassation, ce sont des politiciens. Même Jean-Denis Dugon-Le, Mulatri, en Haïti, a dit que on ne va pas prendre pouvoir directement, on mette une nègre ou noir qui saute, une noir qui ignorant, on mette le pouvoir pour nous diriger dans la place. Bien que sur le thème, il y a beaucoup sur le thème inverse, là et là. Mais c'est même politique ça, les gars qu'on est dans le coup de cassation, longtemps où on est dans le coup de cassation, ce sont des gens qui carrière, justice. Généralement, ce grand monde, ce grand monde qui est comme Messène, ce grand monde qui est comme Jonassin, c'est le monde qui est comme président de la cassation. Donc là, on prend un monde important, un grand monde qui n'a pas de jambes dans la politique, c'est la justice qui est pour le faire. Et puis, qu'on y a, on dit, mais les politiciens qu'on est très bien, même si manipulent pas le manipulent de lui, parce que les gens n'ont pas de politique. C'est le monde de la classe politique, les gens n'ont pas de mener dans le genre, mais là, on prend un monde de la justice, c'est le monde qui est manipulé. C'est ça qu'on a mis. Je ne pas même dire président de la cassation, que tout à défaut vice-président, à défaut juge, à défaut. C'est la dernière fois pour chaque grand nègre, comme si pour nègre qui a parlé avec quatre mon oui, ou est-ce que le président Jovenel, je parlais avec Padancock, je parlais avec Dabrésil, je parlais avec Mécène, je parlais avec Pressoir, je parlais avec près de quatre mon dans la cassation, et je dis à péter chaque président. Donc, des fois, c'est même politique de doublure, ça, classe politique, la PCF fait à travers la cassation. Comme si il y a dirigé, il y a point important, il y a un tas de monde qui va dans la politique.
et puis on mettait le pouvoir public dirigeant en place. Donc bon là, vraiment, son émission, vous faites ça. Merci à vous, Patrick Panozeus, nous te contentons. Faites parler ça, qu'on a rappelé aussi ancien député, 45e et puis 50e législature, Grand Boucan Akbarader. Bonne journée en compagnie de Caraïbes.